Bonjour à tous nos téléspectateurs, bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade Al-Ahliwi Salem. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. El Badri rejoint El Ahli pour 5 saisons. Abdelkader et Hamdi retournent à El Ahli. Taoufiq. Le prêt de Taher et Benoun, une nouvelle dénuée de tout fondement. El Khatif félicite El Hodebi et Gouda pour avoir disputé la finale du championnat d'Afrique. Le directeur juridique Amir Taoufi a annoncé que l'attaquant de l'Integ El Harbi, Mustafa El Badri, a rejoint El Ahli pour 5 saisons. Il a précisé que durant les dernières heures, toute la procédure a été accomplie grâce aux bonnes relations qui lient les deux clubs et que le joueur rejoindra les rangs de El Ahli dans les jours qui viennent. Les deux anciens joueurs Ahmad Abdelkader et Ammar Hamdi ont rejoint El Ahli après la fin de leur prêt. A annoncé le directeur juridique Amir Taoufi. Abdelkader était prêté à l'équipe de Semouha alors que Hamdi l'a été à l'Ettihad d'Alexandrie. Le directeur juridique Amir Taoufi a dit que tout propos concernant le prêt de deux joueurs Taher Mohamed Taher et Badr Benoun était dénué de tout fondement. Selon lui, cette rumeur n'a qu'un seul objectif, la déstabilisation de l'équipe. Le duo figurait parmi les éléments essentiels de l'effectif. Le président du club Mahmoud El Khatib a félicité les deux joueuses de tennis de table du club Mariam El Hodebi et Hana Gouda pour avoir disputé la finale du championnat d'Afrique tenu au Cameroun. La joueuse Mariam El Hodebi a remporté le championnat d'Afrique aux dépens de Hana Gouda sur le score de 4 contre 3. El Khatib a salué la performance remarquable et l'esprit combatif des deux joueuses. D'autre part, le joueur de tennis de table Omar Assar a remporté le championnat d'Afrique pour hommes suite à sa victoire contre le Nigérien Kader Haruna. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.